Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et on se retrouve pour l'épisode 8 de Chasseur de Trolls, Protecteur d'Arcadia. Et là, je pense qu'on va aller affronter Morgane. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'as dit, Jimmy? Oh, c'est rien. Juste un cri de guerre, un peu ringard. Souviens-toi que t'es pas seul, Jimmy. On assure tes arrières. Ouais, Warhammer a soif de baston. Merci, les amis. Donc là, on les a tous. Tu es un petit peu plus loin à venir, tu peux pas le faire comme ça tous les 4 matins. La musique derrière elle est un peu épique. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh non, je l'avais pas vu celui-là. Tant pis, je vais faire attention. Par contre, ouais, pour guérir, c'est super long, donc... Autant bien calculer ou laisser le jeu en tempo. Pas vrai. Comme ça, j'ai récupéré tous mes cœurs. Et je vais mourir. Ah oui. Évidemment. Allez, on continue. Souviens-toi, Jimbo. Splendide, chasseur de trolls. Te voilà. Tu peux te considérer comme mon invité d'honneur. Pour le moment. En tout cas. C'est close.
Oh, c'est chaud quand même, hein. Et voilà. T'as pas intérêt à traîner là-dessus, hein. Ouais, mal géré mon bouton A. Je cherchais le piège et du coup il était devant moi. Penses-tu de mes machines? Sont-elles à ta hauteur? Je devrais peut-être te compliquer un peu la tâche. Non, c'est bon là. La
Tu n'es pas sans savoir que Merlin a eu de nombreux champions. Tu n'es pas le plus faible d'entre eux, mais pas le plus puissant non plus. Et voilà. On s'en fout des totos. Le principal, c'est d'aller jusqu'au but, d'aller voir Morgane. Allons-y. Allez, encore un niveau. Niveau de la glace. On va voir ce que ça donne. Oula. J'ai le contrôle absolu du temps, vois-tu. Je pourrais effacer ton existence d'un claquement de doigts. Bah pourquoi elle le fait pas alors? Pourquoi est-ce que je croirais ça? Si tu voulais te débarrasser de moi, ce serait déjà fait. Détrompe-toi, chasseur. Je ne veux pas me débarrasser de toi, mais tes amis sont trop nombreux à mon goût. Je vous place net, d'accord? Jimmy, qu'est-ce qui se passe? Je me sens mal. Je commence à... Claire? Claire! Oh, dommage. Elle n'est plus parmi nous. En fait... Claire Nunez n'a jamais existé. Non! Tout va bien? Encore quelques amis, on dirait. Remédions à cela. Tu veux bien? Morgane, arrête! Jimbo, je me sens pas très bien. Oh, ne fais pas ça. Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Je... Toby! Encore un ami qui n'a jamais existé. Merde, ah ouais. Non! Merde. Le truc débile là. Ah, j'ai mal géré mon truc. C'est pas vrai, non mais oh. Pas y arriver, je crois. Fantastique.
Non. Ça va. Oh mais ça compte. Pas comment je vais faire. Oh, merde, j'étais en train de chercher autre chose. Ah, je voulais le... Tant pis. Pourquoi tes amis restent-ils à tes côtés, chasseur de trolls? Tu n'as fait que les abandonner encore et encore, les décevant chaque jour un peu plus. Tu les as abandonnés quand tu t'es aventuré seul au pays des ténèbres. Oh non! Je m'affaiblis! Mon noyau vital! Aja! Tu les as abandonnés une nouvelle fois quand tu es devenu à moitié troll. Bien joué. C'était un honneur, chasseur de trolls. Tu les as abandonnés en venant me défier ici. Oh mince! J'espère qu'on pourra se... Non! Je t'aurai, Morgane. Je serai seul, mais tu ne pourras rien contre moi. Aux heures les plus sombres, je brise de mille feux! Je me concentre un peu. Hop. Et voilà, niveau terminé, impeccable. J'ai quand même perdu tous mes amis. Ah, voilà enfin le champion de Merlin.
Je commençais à m'impatienter, même si, maintenant que j'y pense, j'ai tout le temps que je désire. Inutile de te précipiter vers ta propre perte. Et si nous discutions un peu, veux-tu savoir pourquoi je cherche à conquérir le temps ? Pas vraiment. C'est ce que font les méchants, non ? Je ne suis pas méchante. Je ne suis qu'une sorcière qui a trop souvent été trahie. J'étais l'apprentie d'un sorcier qui m'a trahie. La sœur d'un roi qui m'a trahie. Et la championne d'un ancien ordre de sorcellerie qui m'a trahie. Les personnes de confiance se font rares, j'imagine. Oui, tant de regrets, tant de trahisons. Comme quand t'as trahi Porgone. Porgone n'était qu'un insecte. Il était trop bête pour utiliser sa puissance à bon escient. Alors tu lui as pris sa puissance. Comme tu as pris la carte du temps, c'est tout ce que tu sais faire. Tu as peut-être raison, chasseur de trolls. Cette petite discussion est terminée. J'ai encore une chose à prendre. Ta vie. Permets-moi de te donner un aperçu de ma force. Tu crois pouvoir me vaincre? J'ai déjà gagné. Ne désespère pas, misérable. Ton existence touche à sa fin. Oh.
Impossible! Comment as-tu pu me battre? Tu n'es rien! C'est inconcevable. Tout simplement inconcevable. Tu vas devoir t'y faire, Morgane. Le temps n'a pas de prise sur nous, Jimmy Dulac. Nous nous reverrons. Je te le promets. Je t'attendrai. Mes amis, les chasseurs de... Bon bah voilà, une quête terminée. Claire ? Toby ? On est là, Jimmy. Tout va bien ? T'as vaincu Morgane ? Ben oui, la Tempoca truc est terminée. La Tempocalypse. Oui, elle semble terminée. Excellent travail, chasseur de trolls. Tu nous as sauvés une fois de plus. Et pas que nous. Tu as sauvé le temps. Oui, mais c'est pas tout. Jimbo, tu dois te dépêcher de revenir au marché des trolls. La situation est critique ici. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas t'expliquer. Viens aussi vite que possible. Et s'entraîner. Utilise la carte du temps. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui m'attend? Je pense qu'il faut que j'aille dans le pub. D'être là pour le jour de ta naissance. Ça va être clamtastique. Et maintenant, souhaites-tu retourner dans le futur? Tes amis y organisent aussi une fête surprise. Cependant, si tu pars, cette chronologie sera effacée. Sérieusement? Comme si rien de tout ça n'était arrivé? Oui, mademoiselle Claire, toi et moi retournerons dans le New Jersey. Tous les événements passés seront restaurés. Et si on se retrouve nez à nez avec Porgone? Nous serions dans une autre boucle temporelle, mais je suis sûr que nous arriverons à bon port. Je dirais même plus, à bon port, Gon. Une plaisanterie de plus, et je te transforme en crapaud. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? À plus tard. Eh, hey, salut. Content de te voir. À bientôt. All right. Goodbye. Salut. À plus dans le bus. C'est cool de te voir. Bonne chance. Bon, on va essayer de retrouver. Bah voilà.
Et voilà. Oh non. Yo Jimbo, t'es là? Comment? Tranquille, quelques gobelins. Tu m'appelles pour un truc en particulier? Genre, me fais... Te féliciter? Pourquoi? Oh, je sais pas, un jour spécial. Un tour complet autour du soleil. Je sais pas de quoi tu parles, mais bref. Non, je voulais savoir si t'avais vu des choses bizarres. Enfin... Bizarre comment? Avec le fiasco de Morgane et la nuit éternelle l'an dernier? Non, je sais pas. Bizarre comme... En Cadillac? Oh, non! Claire? T'as un... Je les retiens pour l'instant. On dirait des... Oui! J'arrive. Et voilà, on a terminé le jeu. Donc, chasseur de trolls, protecteur d'Arcadia. Et du coup, la boucle est bouclée. Et on recommence le jeu. Voilà, du coup, avec une fin alternative. Donc, je vous ai laissé la fin avec la carte du temps et tout ça. J'ai pris la fin la plus basique qu'il soit. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire à la fin du jeu. Voilà, j'ai terminé le gameplay de Chasseur de Trolls, le protecteur d'Arcadia. Je vous dis à la prochaine sur Agatha TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.